Oh non, non, non. Non, non, pas aujourd'hui. Je ne suis pas en état. Vraiment avec. Je suis tellement embêté avec toutes ces histoires de grippe. On n'arrête pas de me poser des questions de médecine et j'ai arrêté depuis longtemps. Je voulais être tranquille et on n'arrête pas de m'emmerder avec ça. Et alors. Tu te fais vacciner, vous vous faites vacciner, mais ça ne regarde pas. Enfin, puis est-ce que j'ai une tête à me faire vacciner en plus, aller me faire percer l'épaule par une espèce d'idiote qui n'est même pas diplômée, faire la queue 3 heures pour attraper une pneumonie. Après, on dira, il a décédé de la grippe. J'ai pas une âme de Saint-Sébastien, moi, et puis j'en ai marre, voilà, les autres, et puis j'ai mal là, et j'ai mal là, ça n'arrête pas. Alors, j'ai pas eu le temps de préparer. Bon, mais enfin, qu'est-ce que je suis en train de dire en ce moment oui, quand même, bon, je vais le dire, mais je vais le dire rapidement. C'est certainement un des plus grands écrivains qui existent. C'est du XXe siècle, c'est Paul Léoto. Ah, ça, c'est une merveille. Déjà, dans son journal littéraire, il parle que de bons auteurs, pas d'histoire. Psycho-vaginal à la mode, là, de bonnes femmes qui nous parlent des connexions de leur arrière-train et de leur cerveau hypotrophié. Non, Léoto, il aime que les grands écrivains, il a son franc-parler, et surtout, il aime les animaux, et il vit plus qu'avec les animaux. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, parce que eux, ils vous emmerdent pas. Alors, lisez-le, c'est étonnant, vous n'en reviendrez pas, et tout ça dans un style admirable, et on pleure avec lui lors de la disparition de ses pauvres chattes, de ses chiens, et c'est formidable d'imaginer un homme aussi intelligent qui travaille donc au Mercure de France et qui, dès qu'il sort, porte évidemment à manger à tous les chats dans le parc du Luxembourg, partout, mais surtout ne fréquente que des concierges décoché, car ce sont les gens qui lui caseront ses animaux pour les faire adopter, des dames qui ont des refuges pour chats. C'est absolument merveilleux.